Salut à tous, c'est Bryce Encadre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite, j'ai plein de choses à vous montrer. Tout d'abord, le compte à rebours a été trouvé in-game, pas sur les écrans de Rocky Reels, mais dans le ciel. Tellement haut que sur la map, on n'arrive pas à le voir, faut aller en mode rediff. Mais ça pourrait confirmer le fait que pour l'événement, on va aller sur la Lune, donc l'espèce de planète qu'on a pu voir sur l'écran de chargement, que je vous remets ici à l'écran. On parlera aussi du trailer d'Obi-Wan Kenobi qui est sorti hier dans la boutique. À la fin, à mon avis, on a un petit indice, petit secret, et confirmation du skin Dark Vador. Je vous montrerai aussi le skin dans la boutique. Et on verra la 8ème impulsion qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour rien louper de la suite Fortnite. Gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BRICE100K dans la boutique. Ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas le concours Instant Gaming qui finit dans 4 jours. Juste avant l'arrivée de la nouvelle saison. Vous pouvez gagner des cartes PSN, Xbox, Nintendo pour prendre des V-Bucks. Et vous faire plaisir pour la prochaine saison. Soit avec le pass de combat ou les prochains skins qui arriveront dans la boutique. Donc le lien est dans la description, faites-vous plaisir, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc hier on l'a vu, le compte à rebours est arrivé dans le lobby, je vous mets ici un petit clip, on a trouvé aussi une affiche, une pancarte au niveau de Rocky Reels, pour annoncer le prochain événement, et le compte à rebours qui défile. On a cherché, impossible de trouver, que ce soit au niveau de Tilted, que ce soit au niveau de la grotte, ou alors même à l'impacteur, pas de compte à rebours. Par contre, il y a un petit clip qui est sorti tout à l'heure sur Twitter. Quelqu'un a réussi à trouver le compte à rebours dans le ciel, tellement haut, comme je vous l'ai dit, qu'impossible, il est impossible de le voir depuis la map. Donc, il a été en mode rediffusion, il a réussi à trouver le compte à rebours tout en haut dans le ciel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut expliquer, du coup, et confirmer le fait que pour l'événement, on va aller sur la Lune, sur la planète qu'on a pu voir, sur cet écran de chargement. Et franchement, ça hype encore plus pour l'événement, du coup, qui va arriver. Normalement, c'est le 4 juin à 22h. Je vous rappelle, on sera en live. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter ou pas jouer à l'heure là, vous pourrez assister à l'événement sur le live. Ensuite, hier, on a eu le trailer d'Obi-Wan Kenobi qui est sorti sur le Battle Royale. Le skin est disponible dans la boutique. Je vous le montrerai juste après. Mais pendant le trailer, il y a eu un petit secret, un petit easter egg sur Dark Vador. Tout à la fin, on entend un sabre s'allumer et on voit en plus une petite lueur rouge sur le visage d'Obi-Wan. Et ça pourrait être du coup le petit teaser de Dark Vador, qui arrivera normalement dans le pass de combat de la saison 3. Ça peut être une petite confirmation. Donc je vous mets le clip et on se retrouve juste après. Donc on voit bien qu'à la fin, on l'entend aussi au niveau du son, il y a un sabre qui s'allume, et dès que le sabre s'allume, on voit une lueur rouge sur le personnage d'Obi-Wan. Et normalement, et beaucoup le pensent sur Twitter, c'est parce que Dark Vador est en face d'Obi-Wan et il a allumé son sabre. Donc encore une petite confirmation comme quoi le skin Dark Vador sera sûrement dans le pass de combat de la saison 3. Je vous mets maintenant vite fait un petit clip avec le pack d'Obi-Wan qui est dans la boutique. Franchement, je trouve vachement bien fait, et n'hésitez pas à me donner vos avis sur le skin dans les commentaires. Et pour finir, tout à l'heure on a eu du coup la 8ème impulsion de l'impacteur. J'ai l'impression que les impulsions sont pas de plus en plus rapides, puisqu'on n'a pas non plus 3 par heure, mais ça commence tout doucement à s'accélérer, et je pense qu'avant la fin, enfin avant le début de l'événement, on aura bien tous les traits de l'impacteur qui seront allumés, chargés, prêts pour l'événement. Donc je vous mets le petit clip et on se retrouve juste après. Thank you.
Et voilà, du coup, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que les infos vous ont plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Nous, on va attendre de voir s'il y a un petit teaser qui arrive aujourd'hui. J'espère avoir un teaser, soit pour l'événement, soit pour la nouvelle saison. Et n'oubliez pas aussi, du coup, le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous voulez avoir une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.